Bonjour tout le monde, il est 13h temps universel et nous sommes là pour le JT du 13h temps universel. Alors nous allons aujourd'hui, vous êtes avec moi le Envol et nous allons parler des news du jour. Allez, premier reportage fait par Régis en plein New Bug Droid. New Bug Droid, en pleine nuit. Alors, la ville a inauguré un nouveau petit parking à proximité des immeubles. Avant ici, il y avait une petite forêt. On a rasé la forêt, on a aplati et on a foutu un parking. Nous allons partir à la recherche de citoyens de la ville pour leur demander leur avis à ce sujet. Ça va être intéressant. Bonjour messieurs, que pensez-vous du nouveau parking? Ah oui, c'est vrai, il vous cache la vue, mais encore. D'accord. Et je suis parti, comme à mon habitude, voir une autre maison. Ah bah, il n'y a pas de porte. Ils n'ont pas fini le chantier. Oh les cons. Bon. Bonjour monsieur. Que pensez-vous du nouveau parking? Ah, vous en pensez rien, c'est ça? D'accord. Ah, vous trouvez que c'est chiant, hein? Argumentez, s'il vous plaît. C'est pour la télé. Bon, ben, je crois que ce sera tout, hein? À vous le studio! Quoi, comment ça? Ah, je connais ce truc-là, hein? Tu vas dire toujours la même chose, hein? Bon bah, c'est bien ce qui me semblait. Bon bah, à vous les studios. Hein. Oh putain, ils sont. Bon bah, merci Régis. Alors ensuite, notre petite journaliste Axel est partie à la rencontre de nouveaux entrepreneurs en ville pour leur demander leur avis sur la baisse de certaines taxes. Allez, c'est parti, on lance le reportage. La régie lance le reportage, putain. Non mais, oh. Ils foutent quoi, ces cons? Oh merde! Mais lancez le reportage, putain! Nous sommes partis à la quête de nombreux entrepreneurs en ville. Nous allons commencer par un utilisateur régulier de cette petite station-service qui est l'un des meilleurs amis du propriétaire de cette station-service qui n'est pas là aujourd'hui. Ben, vous savez, ça fait très plaisir cette baisse de taxes une fois parce que j'ai remarqué mon ami qui voulait au début penser soit à partir de la Deux Cités, soit se suicider. Et ben finalement, il reste dans la Deux Cités et il ne se suicide pas. Alors c'est une bonne nouvelle, non? Et on a remarqué que son chiffre d'affaires a un peu augmenté, puis les gens consomment un peu plus sa station-service. Je ne sais pas si c'est lié, mais ça pourrait être bien une fois, hein? Qu'est-ce que vous en pensez? Nous avons ensuite rencontré le propriétaire de ce joli restaurant. Nous allons entrer. Bah vous savez, ça fait du bien, hein, parce que honnêtement, moi qui. Cette baisse de taxes, ça fait pas mal de bien, parce que déjà, les prix de mes cours de tennis sont baissés, comme vous voyez, j'aime bien le tennis. Et puis ensuite, bon, là, il n'y a personne, d'accord, ok, mais hier soir, on a fait une petite soirée, et c'était la première fois que j'avais toutes les tables de prise, hein, que j'ai passé de table pour conduire du monde, hein, c'était la première fois, d'habitude, j'ai quoi? La moitié des tables de rempli au maximum, là, j'avais tout de rempli, donc honnêtement, c'est une embellie pour moi, je sais pas si ça va voir, mais honnêtement, en tout cas, enfin, la petite baisse fait du bien, quoi, honnêtement. Nous sommes ensuite allés interviewer d'autres personnes à ce sujet. Bah, vous savez, moi, en tant qu'entrepreneur fortuné, j'ai pas de problème d'argent, mais une petite baisse des taxes est toujours bienvenue, comme on dit, ça permet d'augmenter les marges. Et vous faites quoi? C'est quoi votre entreprise? Oh moi, ben moi je suis le propriétaire d'entreprise de démolition et de construction la plus utilisée dans cette ville, celle qui rase les forêts et celle qui construit les buildings et les routes et les maisons. Donc j'ai une grosse part. Pour finir ce reportage, nous partons à la rencontre du propriétaire d'un petit SAV informatique en ville.
Bah, vous savez, du moment, moi, dès que j'ai du boulot, ça me va, hein. Bon, ça me concerne pas trop, cette baisse des taxes, mais bon, ça, si ça donne plus de pouvoir d'achat aux gens, ils viendront peut-être un peu plus ou moins à boutique. Et c'est moi, vous avez des gros yeux. Bah non, j'ai des lunettes, je suis myope, connasse. Bon, ben, c'était la fin de ce petit reportage à vous, les studios. Ouais, c'est ça, casse-toi dans la boutique, toi. Allez, vas-y, casse. Très instructif comme reportage. Maintenant, passons à la suite du journal. Alors, nous, dans les résultats sportifs, l'équipe de foot de New Bob Druid s'est fait éclater. Alors, l'équipe de basket de New Bob Druid s'est fait éclater. Et l'équipe de handball a fait faillite. Voilà, donc, ce sont les résultats sportifs de notre ville. Donc, au clair, on est complètement à la ramasse. Ah non, on a gagné au karting. Tiens, ça fait plaisir. Ouais! Pardon, désolé. Désolé. Bon, alors dans le ensuite, nous avons eu un autre reportage de notre cher Rémi. Alors, je passe le micro à Rémi qui nous a fait ce magnifique reportage tout à l'heure. Enfin, tout à l'heure, enfin hier, je veux dire. Ah voilà. Oh là là, je m'embrouille. Salut à tous, ici Rémi pour le tour de Rémi. Nous voilà New Bob Druid sur l'autoroute. Allez, c'est parti! Y a rien de mieux que se détendre dans un bon restaurant avec une vue sur la ville au restaurant El Paila. Besoin de faire le plein? Eh ben alors, cette station-service ouvert 24 h sur 24 est votre bonheur. En plus, elle a une machine à café à l'intérieur. C'est pas trop la classe, le mec, non? Et là, vous vous promenez tranquillement en ville et vous dites, merde, je suis sous la pluie, j'ai envie de m'abriter. Eh ben, vous pouvez visiter de nombreuses constructions tout en restant au sec. Par exemple, la tour radio juste derrière moi de la radio Playa New Bob Druid 110.1. Et c'est pas tout ce qui manque. Grâce à tous les axes autoroutiers, routiers, piétons, vous pouvez rentrer facilement chez vous. C'est pas trop la classe, non? Regardez tous ces villageois qui rentrent dans leur maison. Ou alors qui courent dans les rues sans rien comprendre. Et la ville continue de s'agrandir. Comme vous pouvez voir derrière moi, le studio de télé où est tourné le JT 13h temps universel. Et oui, c'est là où s'est tournée l'émission, c'est juste derrière moi. Nya, nya, nya. Ici Rémi au pied de la statue de New Bob Druid qui vous dit allez, ciao, à vous les studios. Bon, bah, c'est la fin de ce nouveau reportage et ce journal touche à sa fin. Alors d'abord, je dis un grand merci à Waylon Flash YG pour le logo de la chaîne qui s'appelle Canal The City. Je lui remercie beaucoup pour avoir fait ce petit logo qui s'est affiché tout le long de la vidéo. Le lien de sa chaîne est en description, en fiche de chaîne. Et puis, je vais essayer d'afficher le logo de la chaîne sur l'écran noir. Le cadrer, voilà, j'afficherai à ce moment-là ici sur cet écran noir. Voilà, donc merci à lui pour ce logo et j'espère que ça vous a plu. Vous pouvez dire comment améliorer ce style de vidéo et on se retrouve pour un prochain journal sur Canal The City. Allez, à plus, les amis.